Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée réalisée soi-même. Aujourd'hui donc on va bricoler une petite maison pour jouer, donc pour les petites figurines, pour un petit lapin ou une petite Barbie, des petites poupées. Voilà, donc c'est vraiment une maison pour jouer, qu'on peut décorer. Voilà, donc comme une petite maison de poupée pour une petite famille. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise ça. Donc vous avez besoin voilà, d'un papier relativement épais, hein, que l'on peut quand même bien travailler, mais voilà, bien cartonné, bien épais. Ensuite, bien sûr, du scotch, des crayons, une paire de ciseaux. Donc on plie notre papier cartonné en deux. Et hop, on appuie bien. Ici. Ensuite, donc j'utilise ma règle et on va mettre 6 cm de chaque côté. On va faire une petite marque de 6 cm, donc ici et ici. Et la même chose donc de l'autre côté. Ok, donc je retourne le papier, donc je vais retrouver nos petits points de repère. Et on va plier, voilà, avec notre marque, nos marques donc dessinées doivent être vraiment sur la ligne du pliage. Voilà, et on appuie bien. Après vous pouvez aussi bien sûr utiliser une règle si vous voulez vraiment être précis. Et puis après, appuyer avec une paire de ciseaux comme ceci. Voilà. Et donc du coup, ça va déjà être plus facile à plier. Et en plus, ce sera nickel. Ce sera vraiment sur la bonne ligne. Voilà. Donc ici, on a... Voilà, toutes les traces de pliage sont ici, hein. Alors on va partir de la marque repère et on va plier, donc on va découper. Voilà, on va s'arrêter quelques centimètres avant, donc 2-3 centimètres avant, on s'arrête de découper. Voilà, avant le piège, voilà. Et pareil ici, on peut faire ça de tous les côtés, donc là tous les emplacements des différentes marques repères. Là, donc là, on appuie bien. Un autre côté, donc là, on peut rouvrir, hein, pour laisser de la place pour l'autre côté. Et on fait la même chose donc, de ce côté. Donc là, hop, on plie sur la ligne du milieu, là, la ligne de repère, on aligne. Pareil, ici. Ensuite, on prend hop, ce petit bout de papier également et on plie, on rouvre. Parfait. Donc ici, donc on a toutes nos différents, voilà, on a un petit pliage sur tous les côtés, voilà. Donc maintenant on retrouve nos points vers en haut et on va commencer donc à plier. Donc on va coller donc ces deux parties donc avec le scotch qui est juste ici.
Et donc là, hop, encore un peu de scotch. Alors, on peut commencer déjà donc à la reconnaître. On voit bien la maison. Donc on fait nos petits plis pour que ça tienne, et voilà. Donc on a deux étages dans notre maison, donc on peut jouer en haut, en bas. Ça peut être une petite jouet pour une petite poupée. Voilà, donc petit personnage. Donc on peut, voilà, s'amuser donc à se cacher dans cette petite cabane. Voilà, petite maison de jeu. Après, bien sûr, on peut encore la décorer. Après, on peut même réaliser une fenêtre ou... Voilà, on a plein de possibilités. Après, on peut mettre aussi des petites franges pour, voilà, pour faire des petits rideaux. Voilà, donc on a vraiment plein de possibilités. Donc après, chacun de personnaliser sa petite maison. N'hésitez pas aussi à les faire partager dans les commentaires. Donc j'ai voilà, un petit peu décoré ma maison. Donc il y a des tuiles en haut, porte, fenêtre. Après, il y a encore plein d'autres possibilités, bien sûr. Peut-être que vous voulez réaliser aussi donc, cette maison. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour me dire bon ben comment vous la trouvez, si ça vous plaît, si vous en êtes content, si vous l'avez réalisé. Voilà. Bon après bon, faut bien appuyer bien pour que ça soit bien stable. Après ça peut rester comme une petite décoration. Hein. Donc comme vous voulez. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à une prochaine. Salut!